Depuis quelques jours, il fait beaucoup parler de lui. Ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud, l'OMS l'a nommé Omicron. Mais comment a été choisi ce drôle de nom? Suivez-nous, on vous explique. Omicron est la 15e lettre de l'alphabet grec. Au début de la pandémie de Covid, les médias et le grand public ont pris l'habitude d'utiliser son origine anglais ou encore indien pour désigner le nom d'un nouveau variant plutôt que son code, celui du variant Omicron, et par exemple B11529. Depuis mai 2021, pour éviter que cela stigmatise des pays ou populations, l'OMS a choisi de désigner les différentes souches du virus à l'aide de l'alphabet grec classique. Le variant anglais est ainsi devenu alpha, qui est la première lettre de l'alphabet grec, puis il y a eu les variants bêta, gamma et delta, rappelez-vous. Le nouveau nom du variant est donc Omicron, mais selon l'ordre de l'alphabet grec, il aurait dû être nu. L'OMS a décidé de sauter la lettre nu, mais aussi la lettre chi, pour plusieurs raisons et plusieurs considérations. Tout d'abord, la lettre nu, qui n'a pas la même prononciation en anglais, phonétiquement, cela aurait donné new, nouveau, en anglais, ce qui aurait pu être une source de confusion. La lettre de l'alphabet grec suivante est chi, et ici, c'est pour des raisons géopolitiques qu'elle n'a pas été utilisée. En effet, chi est le nom du président chinois Xi Jinping. Et comme on s'en souvient, le virus est apparu sur le territoire chinois. Cela aurait pu mal passer. Une stigmatisation pour les plus sages. Après Omicron, les lettres suivantes sont pi et rho. Sauf si ces lettres posent des problèmes de prononciation ou des problèmes géopolitiques, ce sont donc elles qui devraient donner leur nom au prochain variant. Par contre, une fois que l'alphabet grec sera terminé, sachant qu'il ne reste que 8 lettres, on ne sait pas à l'heure actuelle quel nom pourrait être utilisé.